Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Rayane. Rayane, salut Rayane. Quel âge as-tu ? J'ai 15 ans. Ok. D'où viens-tu ? Alors, je viens de Montreuil. Okay. Je suis dans un foyer. Ah, tu viens en foyer ? Oui, je viens en foyer. Parce que tes parents ne sont plus là ou Parce que mon père, il n'a pas un logement fixe et ma mère, elle ne peut pas parce qu'elle a trop de problèmes de santé. Et, okay. Voilà. T'as quelqu'un qui t'accompagne d'ailleurs ? Ouais, j'ai mon éducatrice juste là. Ah bah super. Ça fait combien de temps que tu es en foyer, poteau ? Ça fait un an juste aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu y es bien ? Bah oui. Ouais, ça va ? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici sur la scène de l'incroyable ? Alors, déjà mon talent c'est le piano. Ok. Vous avez un là ici. Ça tombe bien. Donc du coup alors... T'as commencé quand alors ? Ça fait un peu plus d'un an que je fais du piano. Juste un an ? Mais alors pardon, excuse-moi, mais en foyer c'est chaud non ? En gros j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et à force de regarder, genre j'écoutais des musiques et je me demandais ça rendait quoi piano. Du coup j'ai gardé ça dans la gare, les pianos libres service. Ah ok. Et dans les magasins de piano et... C'est qui tes inspirations alors en ce moment ? Mes idoles ? Ouais. Bah, je dirais que ça serait Beethoven, Chopin, Franz Liszt. Ah le classique ? Oui, la musique classique, oui. Liszt, Beethoven et Chopin, ok. Magnifique. Et alors, en venant ici, tu rêves de quoi ? Déjà de passer là devant, c'est un truc de ouf pour moi. Okay. Donc déjà de te rencontrer toi aussi. Et merci, même les poteau. Autres jurys, en plus je regardais trop cette émission Incroyable Talent et tout. Et en fait, moi, j'ai envie de montrer ma vision de la musique parce que, en fait, moi, ce que mon but, c'est de refaire revivre la musique classique parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu ignoré. C'est un autre monde, c'est un truc de ouf. Un truc... Qu'est-ce qu'il est mignon. Écoute, je vais te dire, en t'écoutant, je suis hyper content. On est tous là en train de se dire, oh, quel bon gars, ce gars. J'espère que ça va être bon. Est-ce que tu veux rajouter un truc avant qu'on te laisse la scène ? Alors, tout d'abord, je vais présenter l'œuvre que j'ai jouée. Donc, j'ai joué la sonate numéro 14, opus 27, dite au clair de lune, troisième mouvement de Beethoven. Okay. Très beau. Un grand plaisir. Après un an de piano. Incroyable. Allez, Bibi. Thank you.
Voilà, ça c'est incroyable talent. Voilà pourquoi on fait cette émission. Voilà la raison de notre présence à tous. Voilà pourquoi cette émission existe. Il est super. Il est gentil tout le temps. Tout le temps. C'est un amour. Voilà, voilà pourquoi Marianne est dans cet état. Voilà pourquoi on a les larmes aux yeux. Voilà. Merci. Tu incarnes tout ce qu'il y a de plus beau, mec. Ta passion, tout le parcours qu'on devine à peine dans les quelques mots que tu nous as racontés sur ta vie. Le fait que, en un an, on a l'impression à faire un concertiste professionnel. Le fait que tu aies tout travaillé en autodidacte, tout seul. De la première seconde où tu as touché ce piano, j'ai eu les larmes aux yeux. Je voudrais te donner un coup de main. Enfin, il faut vraiment qu'on te donne un coup de main. En fait, voilà. Alors on va faire qu'il ait son piano, on est voilà. D'accord. Et c'est exactement ce que j'allais dire. On va s'y mettre. On va trouver un piano de concert qui soit digne de ce nom. Tu vas avoir un piano. Vraiment travailler. On va t'en trouver un. Il faut que tu aies ton piano, là. Rayane, c'est un bonheur de t'avoir ici. Ouais. C'est un honneur de t'avoir ici. Merci. Mec. Ouais. Je pense que, avec ta présence aussi, tu vas commencer à inspirer une nouvelle génération de personnes à aimer la musique classique, à apprécier la musique classique. Le seul défaut que tu as, c'est que Eric Antoine, c'est ton préféré ici. Mais sinon... Non, mais... Ça prouve son bon goût. Ça prouve son bon goût. Sinon, je pense qu'on t'adore tous et le public t'adore et la France a hâte de te découvrir aussi. Merci. Merci. Rayane, je pense que tu y es pour rien de jouer comme ça, Rayane. Je pense que tu as été choisi. C'est ce qu'on appelle un destin. Lui, il est parti de zéro et il est arrivé à ça, bourré de défauts, mais aussi bourré de qualités, puisque personne ne lui a appris à jouer. Donc, tu as une manière tout à fait personnelle à toi de jouer Beethoven. Tu as une manière d'écraser les notes. Puis, je pense que tu as compris le caractère fougueux et ombrageux de Beethoven. Tout est imparfait, donc tout est vivant. Perds pas le feu. Et au passage, si tu pouvais ne pas prendre la grosse tête, non. Ça sera génial. Merci. Exactement à ton âge, j'ai moi aussi quitté ma maison et j'ai été dans un endroit... Pardon. Je suis très fière de toi, même si on ne se connaît pas. Je voulais te dire que moi, à cet âge-là, à chaque fois que j'avais de la peine, je chantais dans l'endroit où j'étais. Et mon professeur de maths m'a dit, Hélène, cette voix, ce rossignol, il faut que tu chantes, il faut que tu en fasses ta vie. Pour moi, c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, tu es là, je ne peux pas croire que ça fait qu'un an que tu joues. Et je pense que tu vas permettre aux autres de rêver, tu vas permettre à beaucoup de gens de ton âge qui traversent des moments difficiles d'espérer et de penser qu'après les moments difficiles, il y a toujours quelque chose d'incroyable qui va nous arriver. Tu es dans l'émission Incroyable Talent parce que tu es incroyable et parce que ta vie va être incroyable. Une place directe pour la finale. C'est un rêve. Merci. Ça fait 8 ans que je fais cette émission, il n'y a jamais eu un applaudissement aussi long pour aucun artiste depuis 8 ans. Et je pense que ça fait 17 ans que cette émission existe, il n'y a jamais eu un applaudissement aussi long. C'est pour toi, Rayane. Merci. Merci, Rayane. Trop touchant.
Je l'ai pas. Faut que vous me disiez qui c'est pas écrit. Jusqu'au bout, le vainqueur de la 17e saison de La France a un incroyable talent est... Rayane. Rayane, c'est toi qui remportes la finale de La France a un incroyable talent. C'est toi qui a 15 ans, remporte 100 000 euros. Bravo. Exceptionnel. Merci à toute l'équipe. Merci à toutes les équipes techniques, la production qui ont travaillé sans relâche durant toutes ces semaines. Bravo à tous. Merci chez vous. Merci également aux équipes M6. Hélène, ton golden buzzer a gagné. Rayane, il faut que tu ailles. Regarde l'état dans lequel elle est, notre petite Hélène. Vas-y, je te tiens le chèque et tu peux faire un bisou. C'est un peu ta marraine. Rayane, cette émission va changer ton destin. Bah oui, ça a tout changé. Vraiment merci, on remercie beaucoup. Vraiment, je sais pas quoi elles sont. Eh ben la réaction de Rayane, c'est tout de suite dans La France, un incroyable talent, deuxième partie de soirée. Vas-y, on va t'écouter avec Pierre, avec Paul. Merci à tous. Merci.